Catéchisme de Saint Pie X, page 137, dans le Grand Catéchisme, chapitre 11, le dixième article. Que nous enseigne le dixième article, la rémission des péchés? Le dixième article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ a laissé à son Église le pouvoir de remettre les péchés. L'Église peut-elle remettre toutes sortes de péchés? Je répète la question. L'Église peut-elle remettre toutes sortes de péchés? Oui, l'Église peut remettre tous les péchés, si nombreux et si graves qu'ils soient, car Jésus-Christ lui a donné plein pouvoir de lier et de délier. Quels sont ceux qui, dans l'Église, exercent ce pouvoir de remettre les péchés? Ceux qui, dans l'Église, exercent ce pouvoir de remettre les péchés sont en premier lieu le pape qui possède seul la plénitude de ce pouvoir, puis les évêques et sous la dépendance des évêques, les prêtres. Comment l'Église remet-elle les péchés? L'Église remet les péchés par les mérites de Jésus-Christ, en conférant les sacrements qu'il a institués à cette fin, principalement le baptême et la pénitence. Fin du chapitre 11. Je place cette vidéo dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.